Hey, salut les rumeurs! En ce moment, je fais pas mal de cocktails à base de jus de citron sucré et j'avais envie de vous faire un petit astuce pour vous préparer ça en avance et vous faire plein de cocktails facilement ensuite. L'astuce, elle est simple en fait. Tout simplement, on va prendre nos petits citrons verts, on va les presser dans un pressoir, le mettre dans une bouteille qui pourra être fermée et conservée au frigo, et ça va pouvoir être un jus de citron bien frais qui va se conserver 3-4 jours. Ça permet de faire quelques cocktails pour soi en quelques jours, ou pour une soirée où vous invitez pas mal de personnes, et bah d'avoir votre jus de citron déjà prêt, déjà sucré, donc le sucre sera dissolu dans le jus de citron et vous pourrez faire vos cocktails rapidement et les servir instantanément à vos invités. Alors, je me casse la tête à presser les citrons avec ce pressoir, mais vous pouvez vous dire que pour faire des cocktails, on pourrait utiliser le petit presse-citron là, comme ça, qui va beaucoup plus vite. Alors effectivement, c'est sympa pour faire un cocktail tout de suite comme ça, où on presse le citron directement dans le doseur ou même dans le verre pour faire le cocktail. Mais je trouve que là, pour préparer du jus de citron que l'on va conserver, eh ben, c'est pas efficient. Tout simplement parce que en fait, ça n'extrait pas la totalité du jus de votre citron. C'est pas efficient. Ici, là, on a du temps. Enfin, je peux prendre le temps de presser tous mes citrons en avance. Donc, ce petit truc-là, ben, je trouve que c'est pas le plus pratique. C'est parti! Et voilà, une jolie petite bouteille de jus de citron fraîchement pressé. On va rajouter du sucre. C'est plutôt pas mal. Donc là, le sucre, il va avoir le temps dans le frigo de bien se dissoudre dans le jus. Et après, ça sera parfait pour faire des bons petits cocktails comme un bon daiquiri. Voilà les rumeurs, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, santé !